Rock and Pop Stories. Eagles, Hotel California, 1976. La chanson la plus connue des Eagles, considérée comme la quintessence de la musique californienne, mais à la signification bien mal comprise. Elle n'est pas vraiment à la gloire du Golden State. Le texte part d'un regard extérieur sur la Californie, sur la face sombre de l'État qui fait rêver. Don Felder, qui a initié la chanson, l'a très bien expliqué. Quand vous conduisez vers Los Angeles la nuit, vous pouvez apercevoir les lueurs de la ville à plus de 100 km, depuis le désert. Au volant, votre imagination vagabonde sur tous les poncifs associés à la Californie. Hollywood, les stars de cinéma, les plages, les palmiers, tout ce que vous avez entendu dire surgit dans votre esprit. Don Henley complète. On était des bouseux du Middle West. Hotel California, c'est notre vision de la grande vie à Los Angeles. Felder a raconté la genèse de la chanson. J'avais loué une maison sur la plage de Malibu. J'étais assis dans le salon avec toutes les baies vitrées ouvertes. C'était une magnifique journée de juillet. J'avais une guitare acoustique 12 cordes et les premiers accords sont venus. Parfois dans votre vie, quelque chose vient du cosmos et vous tombe dessus. Il enrichit ses premiers accords avec une boîte à rythme et une ligne de basse. Il envoie cette maquette à Glenn Frey et Don Henley pour qu'ils prennent le relais. Cette première version a un parfum latino et reggae et Henley la baptise « Mexican Reggae ». Le célèbre Beverly Hills Hotel étant devenu un point important de leur vie, c'est là que se font les rencontres, tant artistiques que business, c'est pour eux le symbole de Los Angeles. C'est de là que vient l'idée de l'hôtel autour duquel va tourner tout l'album. Le texte devient sombre, le héros fatigué du voyage arrive dans un monde rempli de personnages effrayants. « This could be heaven or this could be hell ». Il a l'impression d'être pris dans un piège dont il ne pourra pas s'échapper. D'où la célèbre dernière phrase « You can check out anytime you like, but you can never leave ». Tu peux demander la note quand tu veux, mais tu ne peux jamais t'en aller. Claustrophobie maximum. Pour Henley, Hotel California, c'est un voyage de l'innocence vers l'expérience. Après 8 mois de travail acharné et 4 mois de retard sur la production de l'album, les Eagles le présentent à la maison de disques. Lorsque la chanson « Hotel California » s'achève, ils annoncent « Ce sera notre single ». Stupéfaction du label, pour qui c'est hors de question. Elle est en totale opposition avec ce que les radios aiment jouer. Elle est longue, 6 minutes 22. L'intro n'en finit pas, 1 minute. On ne peut pas vraiment danser dessus. Le duo de guitare dure 2 minutes. Bref, tout est hors norme. Mais le groupe n'en démord pas. C'est un single. Évidemment, quelques années plus tard, les pontes du label reconnaîtront qu'ils n'auront jamais été aussi heureux de s'être trompés. Hotel California se classe numéro 1 aux États-Unis. Elle est universellement connue. L'album est classé 37e des 500 plus grands albums de tous les temps par le magazine Rolling Stone. Il y a tant à dire sur Hotel California que je pourrais vous en parler des heures. Arrêtons-nous là, car il y a d'autres histoires de rock'n'roll.